Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Nous sommes le 15 novembre, le dimanche 15 novembre 2015. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler quoi? De ce qui m'est arrivé samedi matin. À 9h, une amie qui me passe un coup de fil et qui m'apprend que sa fille est morte. Bon, au Bataclan. J'ai pas compris. Il dit, mais oui, t'as pas entendu les nouvelles? Non. C'est comme ça que j'ai appris les attentats à Paris. Ok, très concret, très matériel, avec du lien. Comment je me suis senti et comment je me sens maintenant? Sur le moment, on va dire, ben, stupéfait, non. Surpris, oui et non. Triste, oui pour elle, par rapport à sa fille, par rapport au sentiment de perte, par rapport au sentiment aussi de l'humain. De l'humain qui tue des humains. C'est... Pourquoi? Pourquoi très souvent vouloir justement recréer du lien, faire passer une information, une idée, et pour ça, tuer l'autre? L'autre ne m'écoute pas, donc comme il ne m'écoute pas, je le tue. Mais aussi des logiques de représailles qui peuvent être là. L'autre a piétiner mes croyances, à piétiner ma terre, à piétiner œil pour œil, dent pour dent. J'ai été touché, toi aussi tu vas être touché. On est toujours dans la cour de maternelle au niveau émotionnel? Oui. Est-ce qu'on peut passer au-delà? Non, parce que la France est forcément parfaite, bien évidemment, et effectivement, toutes les actions de la France sont irréprochables. J'ai un petit doute aussi avec ça. Pas de justificatif en disant, mais alors, c'est normal, c'est pas normal. C'est là. C'est quoi la violence, moi, en tant que Jean-Pierre Martinez, j'en vois à l'extérieur. Est-ce que j'ai des moments où je me sens dans la haine, dans la colère, dans l'envie de trucider du monde? Oui, ça peut m'arriver. Ah bon? Mais alors, ça part dans l'univers et potentiellement ça se matérialise à un moment donné. Oui, mais c'est loin. Paris. Moi, je suis à la campagne. Paris, c'est loin. Donc dans mon monde, ça n'existe pas. Si, si, la preuve, ça a fait irruption dans mon monde, comme ça, de bon matin, par du très concret. Et encore, une irruption très gentille. Ça aurait pu être ma fille qui était au Bataclan. Là, c'est quelqu'un où effectivement je sens un lien, mais qui n'est pas intimement lié, ou qui est tellement intimement lié, parce que pour elle, c'est juste une porte aussi qui s'ouvre. Peur de la porte, peur de la mort. Alors quoi? Je suis en colère contre ça? Je suis en colère contre moi-même? Colère de mes propre insuffisance, colère de mes colères, de mes haines, colère de mes insuffisances à générer du lien, à être en lien avec les autres, y compris avec ceux qui sont très 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 différents de moi. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? La souffrance de mes frères humains. Que ce soit ceux qui ont été poussés à faire des attentats, manipulés pour ça. D'où vient la manipulation? À des niveaux multiples, on ne saura sûrement jamais exactement les implications et les intrications. Toujours est-il que, oui, il y a une part de moi qui souffre, par contre, en disant, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir qu'on en est encore là, que j'en suis encore là,
que le monde auquel je participe en est encore là. La douleur, ce phénomène justement de groupe que c'est en train de générer et que ça génère, permet de créer du lien. Les gens vont se fédérer derrière la douleur, derrière la haine, derrière la colère. Une manière de faire du lien. Un peu comme en janvier. Est-ce que des millions de personnes seraient descendues simplement dans la rue pour dire « on s'aime, on a envie de faire quelque chose ensemble, on veut construire un monde nouveau » ou « waouh, là c'est tellement dur, je veux partager, je veux me sentir en lien ». Est-ce qu'il nous faut une telle douleur pour accepter de s'ouvrir et d'être en lien avec les autres? Ben, la réponse est oui, a priori. L'expérience nous montre que oui. Et se faire des grandes journées de calinothérapie. Ouais, mais Jean-Pierre, t'es un doux rêveur, là. On est plus... Voilà, le monde des bisounours, là. Faut passer à l'action, là. Hein, comme j'ai pu l'entendre, voire même comme on me l'a dit, là, c'est bon. On sait où est l'ennemi. On tape dedans, et puis paf, hein. C'est vrai, ça va créer les bons, les méchants. Les méchants, pouf. Oui, mais les méchants, ils disent, oui, mais ils nous attirent dessus, donc pouf. Oui, mais alors, pouf. Ouais, on s'en sort plus. C'est lui qui m'a poussé en premier. Ouais. Quand c'est des enfants de 4 ans, c'est normal. Mais en fait, les adultes sont pas très loin de ça. Est-ce qu'on peut passer au-delà de nos différences? Ou est-ce que finalement, on va juste mourir tous ensemble? C'est un choix. Dans du très concret. Reprendre conscience aussi de mes actions, qu'est-ce qu'elles engendrent. Oui, mais bon, tu vas trop loin. Enfin, quand même. Comment ça, j'ai pas le droit de changer 3 fois ma tablette et de la donner à mon gamin qui a 2 ans? Voilà, super, pomme, machin, ou Sam, truc, bidule. Bon, c'est pas grave, faut du coltan pour faire tout ça, on va en Afrique, ça fait 6 millions de morts en quelques années, et finalement, qui s'en soucie? 130 morts, là, proche de chez nous, c'est la fin du monde. Oui, c'est triste. Oui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche. Mais plein de gens, quand on parle d'Afrique ou d'ailleurs, oh, mais c'est loin, c'est pas dans mon monde. Et là, c'est dans votre monde ou pas? Là. Parce que peut-être ce qui arrive là, c'est pour justement montrer, ok, les gens avaient leur chemin à suivre. Ok, les 130, on peut aussi rentrer dans cette logique. Les 130 qui sont morts, finalement, c'était exactement ce qu'ils avaient besoin de vivre. Et ils continuent leur chemin. Oui, de toute façon, pour eux, voilà, la porte s'est ouverte, ils passent à autre chose. Mais peut-être qu'ils sont là pour nous faire prendre conscience de, ok, moi, en tant qu'humain, dans quel monde je veux vivre? Et je prends ma responsabilité en tant qu'humain, plutôt que... Ça va, le monstre, il est sorti, hein? Ouais, il n'y a plus de monstre, de toute façon, il ne peut pas me voir, puisque je me suis mis la main sur les yeux. Est-ce que je regarde mes monstres? Déjà. Les monstres que je génère. Les monstres que je nourris. Qu'ils soient imaginaires ou très concrets. Je peux consommer ce que je veux, mettre dans mon corps ce que je veux, ça n'a aucune importance. Je transmute. Eh ben si. Si vous n'avez pas encore compris que tout ça, ça a de l'importance, que pour avoir du pétrole, que pour avoir des matières premières, ben effectivement, on est loin d'être clean. Mais qu'en n'étant pas clean, ça génère quoi? Ça génère, on piétine les autres. Et les autres, ils n'aiment pas être piétinés. Est-ce que vous, vous aimez être piétiné? Et à un moment donné, ben, comment je dis stop? Et ben, à un moment donné, je vais sacrifier ce qui est important pour faire passer un message, ma vie. Et vu que ce qui est entendu, si vous faites une manifestation, ça ne sert pas à grand-chose, une pétition, rarement, un attentat,
Ça génère quelque chose. Peut-être pas d'ailleurs, ça va peut-être pas servir ce pourquoi ceux qui ont fait l'attentat sont passés à l'action. Parce que on est dans des poupées russes. Ok. Ouh là 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 là, c'est les méchants terroristes islamistes. Poup. Ouh là 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 là, ces méchants terroristes islamistes servent à autre chose. Ouh là 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 là, c'est... Bref. Donc quoi? Un petit peu plus de lois sécuritaires? En janvier, on... Ouh là là, on a fait passer des trucs, là c'était fini, hein, normalement tout allait bien aller. Donc encore plus? Il y a une chose qui est sûre, c'est que... Faites attention, quand vous êtes dans l'émotionnel, vous allez chercher la main de papa et de maman. Et vous prenez tout, généralement, en argent comptant. La raison, le raisonnement, le bon sens disparaît. C'est le moment où on peut vous faire gober beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dans quel monde vous avez envie de vivre? Votre monde intérieur? Regardez vos émotions. Vous mettre à nu, complètement. Pas juste, je me mets à poil et là, c'est bien là. Ouais, hein, nickel, hein. Super, hein. Je vous montre mes seins, ma zézette, ma foufoune. J'utilise exprès les mots enfantins parce qu'il y a vraiment ce côté-là parfois, justement. C'est très enfantin. Ok. Non, comment je me mets à nu? Comment je montre mes faiblesses? Mes forces? Mes envies? Comment je vais faire du lien? Et si une journée par mois, une journée où dans chaque ville de France, dans chaque village, il y avait la journée du câlin? Une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine, ou simplement au quotidien? À vous de choisir, qu'est-ce que vous avez envie? Bien regarder, envoyer, recevoir. Donc là-dedans, on pourrait parler des doubles futurs. On pourrait parler de plein de choses. On pourrait parler de la structure énergétique bienveillante qui est à développer chez l'humain, qui est là, qui est en potentiel. Est-ce qu'on fait des choses pour l'ouvrir, la rendre accessible, la diffuser? Ouais. C'est pas le thème là, de la vidéo. Je vais juste faire un petit lien sur... quelqu'un me demandait, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, déjà, regardez ton rapport à l'émotionnel. Il y a quelque chose lié au blocage ancestraux, lié à l'émotionnel. C'est sur le site. Il y a un exercice où on se retrouve justement nu devant le miroir. Prendre le temps de faire cet exercice. Pas juste en parler. Ah oui, mais en stage, on a fait la deuxième partie, donc on n'a pas besoin de faire la première. Eh ben si. Oui, moi, j'ai jamais fait de stage avec lui, je veux pas faire ça. Puis qu'est-ce que c'est? Puis que ça ressemble? Hein, alors que finalement, on connaît les coupables, il n'y a qu'à les supprimer, et puis on sera dans un monde parfait, merveilleux, et tout le monde sera gentil. Et personne, surtout, me dérangera. Et qui va faire le miroir? Qui, de toute façon, va jouer le rôle de faire votre miroir, et votre miroir dérangeant, pour vous faire bouger, et pour me faire bouger? Parce que je ne suis pas au-delà, je suis dedans. J'ai mes faiblesses, mes peurs. Oui, en cherchant. Voilà, pas de solution, pas de grande réflexion philosophique sur l'ultime connexion. Juste essayer de s'ouvrir à son corps, à ce qu'on ressent, à se mettre en conscience, en responsabilité par rapport à ses actions. Et... d'aller vers le lien, réellement, d'ouvrir son cœur, y compris pour dire à l'autre, là je suis désolé, ton mode de fonctionnement pour moi, c'est pas acceptable, parce que ça et ça et ça, ça me dérange. Je respecte, pour toi, tu as le droit de le vivre, mais moi ça, non, c'est pas possible. Est-ce qu'on s'autorise à le dire, ou pas? Ou est-ce qu'aussi on est bien pensant et
Oh, mais non, mais tout va bien. Oh, mais oui, tu es quelqu'un de merveilleux. Alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on ressent. C'est pas forcément simple de poser ça. Pour soi, pour les gens proches, un peu plus loin, très lointain. Sans chercher à pointer du doigt un coupable, un responsable. Parce que si vous en avez un à pointer du doigt, moi je connais le coupable et le responsable. C'est moi. Ben oui. Voilà, un peu de blabla. Je vous souhaite une bonne et belle journée. Profitez, profitez de dehors, profitez de la nature, profitez du temps pour vous introspecter, pour en parler, pour parler de qu'est-ce qui est important pour vous, de vous mettre à nu, de parler de votre douleur, de parler de votre colère, mais de parler de ce qui se passe en vous, de qu'est-ce que ça génère en vous. Voilà. À bientôt. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr.